Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Je voudrais faire une réaction à chaud sur la dernière vidéo de Dieudonné sur la Palestine. Je vais déjà mettre 2-3 petites choses au clair avant que les excités hormonaux s'acharnent sur leur clavier. Je suis très certainement un des plus grands fans de Dieudonné en France. Donc il n'y a qu'à voir mes vidéos qui datent déjà même de plus d'un an. Déjà à l'époque, je le montrais, j'étais fan de Dieudonné, d'accord, avant même la fameuse mode. Donc calmez-vous, hein. Je ne suis pas anti-Dieudo, largement pas, bien au contraire. Je voudrais dire qu'à chaque fois que sur une vidéo de Dieudonné, quelqu'un émet un avis contradictoire, ou ne serait-ce même qu'une réserve, il se fait dépouiller, il se fait éclater. Ce sera d'ailleurs le sujet d'un petit message perso pour Dieudo à la fin. Donc, je croyais, les mecs, que des gars comme Dieudonné, comme Soral, et tous les autres, vous avez redonné votre indépendance à penser. Donc, arrêtez d'être systématiquement d'accord, et puis de défendre avec acharnement un avis qui, de toute façon, à la base, n'est pas le vôtre. Vous n'êtes que des suiveurs, donc fermez-la. D'accord? Et on a le droit de ne pas être tout à fait d'accord avec quelqu'un, hein, ok? C'est pas pour autant qu'il faut se faire insulter, mais j'y reviendrai à la fin. Donc, on est un pays quand même à racines catholiques, d'accord? N'en déplaise. Donc, il faut quand même que vous compreniez que une partie de la population, une partie même des fans de Dieudonné, ne se sentent pas spécialement concernés par la Palestine. Et d'ailleurs, j'ajouterai à ça, c'est que depuis les vidéos de Dieudonné que vous vous excitez sur la Palestine. La Palestine, ça fait au moins 60 ans qu'ils se foutent sur la gueule. D'accord? Vous vous réveillez que maintenant. Donc arrêtez un peu votre hypocrisie. Il y a 6 mois, la Palestine, c'est tout juste si vous saviez que ça existe. Et encore aujourd'hui, il y a une bonne partie d'entre vous, hein, qui affichait sur Facebook et machin des drapeaux palestiniens. Vous ne seriez même pas foutu de le désigner sur une map monde. Et ce serait pareil pour Israël. Donc calmez-vous les mecs. Donc là voilà, moi ce qui me dérange sur la Palestine, sur cette vidéo, donc, c'est le fait d'envoyer des fonds en Palestine. Donc voilà, moi ça me dérange profondément, et je vais m'expliquer pourquoi. Vous, les fans de Dieudo, là j'ai vu ça, vous vous excitez, vous défendez avec acharnement, si, il faut envoyer des fonds, il faut envoyer des fonds. Mais en fait, moi, comment je vois la chose, c'est ni plus ni moins que de la délocalisation, en fait. C'est des fonds qui pourraient être tout à fait largement plus utiles ici, en France, d'accord, qu'à l'étranger. C'est comme quand on délocalise une grande société, exactement ce que fait le nouvel ordre mondial, la mondialisation. D'accord, là, vous vous plaignez, mais là, par contre, envoyer des fonds à la Palestine, vous fermez vos gueules. Essayez de penser par vous-même, d'accord, essayez d'avoir votre propre avis. Ça peut être intéressant, des fois. Donc, là, il faut à tout prix envoyer des fonds à la Palestine, et c'est super. Par contre, quand la France, elle envoie des aides humanitaires à droite à gauche, ou alors qu'elle va faire la guerre au Mali, ou alors j'en sais rien, la première réaction, et ce qu'on entend à chaque fois, le pognon, il serait quand même beaucoup plus utile en France. Mais là, je suis désolé, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Alors, il ne faut pas me faire le coup, faut pas me sentir le coup de la tendresse affective, oui, il y a des gosses qui meurent et tout, c'est malheureux, hein, c'est malheureux, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Des gosses, il y en a aussi qui meurent au Tibet, il y en a aussi qui meurent en Tchétchénie, il y en a qui meurent un peu partout dans le monde, sauf que là, tout le monde s'en branle. Là, ça interpelle tout le monde parce que c'est Dieudonné qui l'a dit. Bon, je trouve ça un peu limite, hein, et un peu limité pour vous. Donc, une fois encore, essayez de penser par vous-même. Concernant les fonds qui sont envoyés en Palestine, quand on se noie, hein, on nage pas vers le fond de la piscine. C'est une logique. Là, c'est exactement la même chose. Le pognon, il serait beaucoup plus utile pour aider la dissidence en France. Alors, je ne dis pas de le donner à Valls, hein, naturellement. Ce que je dis, c'est qu'il serait quand même beaucoup plus utile en France. Avec 1 million d'euros, c'est la somme, hein, qu'on a entendue, avec 1 million d'euros, je peux vous dire qu'on en aide des gens en France. On peut aider la dissidence, on peut aider des gens à sortir du cercle, enfin, du système. On peut faire tout un tas de choses. On peut monter des sociétés. On peut faire tout un tas de trucs pour les Français, pour les aider, et qui taperait au portefeuille, justement, de l'État, hein, du sionisme, de tout ce que vous voulez.
Donc, délocaliser une entreprise ou délocaliser le pognon qui servirait à la dissidence, c'est la même chose. Pour moi, c'est une très mauvaise idée, c'est pas une bonne stratégie. Voilà, tout simplement. Donc, qu'on soit d'accord, la Nassurance, à la base, moi, je suis pas contre du tout, hein. Au contraire, je suis même pour. Je suis même vraiment largement pour. C'est le fait d'envoyer le pognon ailleurs, à l'étranger. Ça, et que ce soit la Palestine ou que ce soit un autre pays, hein, j'en ai rien à foutre. C'est le fait de l'envoyer ailleurs. Il serait utile ici. Un argument qui revient assez souvent, c'est « oui, mais la Palestine a besoin d'aide ». Bon, alors, on se prend peut-être pas des bombes tous les 4 matins sur la gueule, mais nous, en France, on a besoin d'aide aussi. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Quand on est à terre, c'est pas là qu'on aide le voisin à se relever. Il faut d'abord se relever. Eh ben, excusez-moi de vous l'apprendre, peut-être que vous venez d'arriver, mais la France est à terre. D'accord ? Et c'est pas à terre qu'elle pourra aider son voisin. Donc, il faut d'abord que la France se relève, et une fois qu'elle sera debout, elle aidera le monde. Pour l'instant, il faut d'abord qu'on se relève. Alors, donc, une fois encore, là, c'est un petit message perso à Dieudo. Je reste un de tes plus grands fans, il n'y a aucun problème. Hein, et ça, depuis même avant la mode, bien avant la mode, il n'y a qu'à voir mes vidéos. Hein, je faisais des vidéos quenelle avant même que ce soit la mode. Hein, donc, là-dessus, je suis un fan, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est justement respectueux que de... pas de contredire systématiquement, mais de ne pas suivre aveuglément, d'accord ? Ça veut dire que on prend ton travail au sérieux, quand même, un minimum. Donc, ça veut dire qu'on a pris ton travail, on l'a réfléchi, quand même, on l'a pensé, et puis on s'est dit, oui, mais... Enfin, on a eu notre propre réflexion. Et d'ailleurs, je pense pas que tu sois contre un avis contraire. Je veux dire, on peut émettre une réserve, ou alors... un avis contraire sans que toi tu t'excites comme les tarés qu'il y a sur ta chaîne. Et d'ailleurs, c'est là que je veux en venir. Ce serait peut-être pas mal, sans te commander bien sûr, mais ce serait quand même pas mal de leur donner un petit message, de leur dire d'arrêter de s'exciter, d'arrêter d'insulter systématiquement de sales français, de buveurs de vinasse. Regarde les commentaires. Enfin, d'insulter de sale sioniste, de sale youpin, de machin, systématiquement le mec qui n'est pas tout à fait d'accord, alors que pourtant, la plupart qui ne sont pas d'accord, pas tous, il y a des connards, mais la plupart qui ne sont pas d'accord arrivent poliment. D'accord ? Ils émettent un avis plus ou moins constructif, plus ou moins argumenté, ça c'est encore autre chose, mais ils ont le droit de ne pas être d'accord, et je ne pense pas que tu diras le contraire. Mais ce serait pas mal de dire à tes fans de se calmer un petit peu. Hein, parce que je ne suis pas un sale franchouillard, moi par exemple, un sale français buveur de vinasse, juste parce que je ne suis pas d'accord sur ce point de détail. D'accord ? Voilà. Donc ce serait pas mal aussi voilà, de leur dire de se calmer. Hein, parce que je pense que ça dessert un petit peu ton projet. Et donc à tous les fans, justement, de ne pas être d'accord, hein, systématiquement, avec des gens comme le Dieudonné, le Soral, Jovanovic, j'en sais rien, Pierre-Hilaire, Michel Drac, peu importe. Ne pas être systématiquement d'accord avec ces gens-là, une fois encore, c'est une preuve de respect, ça montre qu'on a pensé à ce qu'ils ont dit, qu'on y a réfléchi, qu'on l'a pris au sérieux, et surtout qu'on a compris le message des Dieudonné et autres, à savoir penser par vous-même, d'accord ? Et pas seulement parce que vous voyez sur l'écran. Hein, donc que ce soit la télé, que ce soit Internet, ça reste la même chose. C'est une source d'information que vous devez trier, que vous devez travailler, hein, et pas que vous devez prendre pour argent comptant. Et voilà. Donc calmez-vous, c'est pas la peine d'en venir aux insultes. Le dialogue, justement, il faut se montrer plus intelligent que les autres d'en face. Voilà. Donc sur ce, à la prochaine vidéo. Ciao.